Vous avez Genèse chapitre 39. Nous voulons lire du verset 1er au verset 10. Genèse 39, verset 1er à 10. Genèse, c'est le premier livre des Saintes Écritures, c'est facile à trouver. Genèse 39, 1 à 10, nous commençons. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut tout sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa. Et il dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Parole du Seigneur. Et bien aimé, nous avons souvent tendance à chercher dans la perception que les autres ont de nous. Ainsi, nous nous laissons influencer par les opinions et même certains traitements que nous recevons des autres nous font douter de nous-mêmes. En ce sens, nombreux sont ceux qui ont été dénaturés et même dépersonnalisés. Le plus souvent, la perception des autres vient des circonstances de notre vie dans le temps. Ça vient des difficultés que nous rencontrons. Ça vient de notre niveau de formation et bien d'autres critères humains. Cependant, avec Dieu, c'est tout à fait différent. Dieu nous voit sur l'éternité. L'homme nous regarde dans le temps, mais Dieu nous voit sur l'éternité. Et notre prototype aujourd'hui, c'est Joseph. Homme appelé par Dieu pour une destinée glorieuse, mais qui a dû passer par des chemins difficiles. Et sa vision de lui-même, sa conviction et sa crainte pour l'Éternel son Dieu lui ont conduit à sa destinée. Et le titre de notre réflexion de ce matin, c'est bien « La perception et les actions des hommes ne sauraient dévier le plan de Dieu pour ses enfants ». La perception et les actions des hommes ne sauraient dévier le plan de Dieu pour ses enfants. Et la proposition faite à vous ce matin par le Saint-Esprit à travers mon organe, c'est tenez ferme, ce que vous serez n'a pas encore été manifesté. Tenez ferme, ce que vous serez n'a pas encore été manifesté. Eh bien aimé, nous connaissons l'histoire de Joseph par eux. Je dirais même que nous connaissons cette histoire par cœur. Mais ce que j'aime avec les Saintes Écritures, c'est que à chaque fois que nous lisons les mêmes passages que nous lisons presque tous les jours, ou du moins à chaque fois, nous découvrons encore un autre message, une autre leçon de la part du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voulons partager avec vous ce matin. Nous venons de vous dire, mes bien-aimés, on dit en poésie que la beauté de la chose, c'est dans l'œil de celui qui regarde. Mais bien-aimés, mais si je n'ai pas bon, il n'y a pas bien moyen, belle, non?
Les papes jamais découvrir en quelle beauté ni en quelle valeur. Et le filtre psychologique de chaque personne, le filtre spirituel, ses antécédents, son vécu, lui donne de juger de manière différente. Nous allons voir les frères de Joseph d'abord, les Ismaélites ensuite, Potiphar et la femme de Potiphar, et en dernier lieu, Joseph, en termes de perception. Vous pas bien inquiétez, nous pas long, non? Moi, quand sauter. Eh bien aimé, nous retournons à Genèse 37 pour les frères de Joseph. Vous voyez ce qu'ils voyaient en Joseph? Leur perception de Joseph, c'est que c'était un homme et à faire disparaître. Un homme, un élément gênant. C'était là la conception des frères de Joseph. Ou qu'on a dit à qui on a pris les Joseph? Monde qui joue en balle 50 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Fini. Yo tapre le Joseph Negrev la. Jodi yo tapre le Joseph Negrev la. Vous comprenez ça m'dou? C'est ce que les frères de Joseph ont vu. Pourquoi? Parce que sa position leur donnait certaines restrictions. En quelque sorte, mes bien-aimés, Joseph était le superviseur de ses frères. Ne vous étonnez pas ce matin si vous êtes détesté à cause de votre position et de votre destinée. On aurait dit, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous avons cette même destinée glorieuse à la glorification, nous serons tous ensemble et autres. Mais bien aimé, vous savez, il y a des choses, comme le dit l'apôtre Paul, qui ne devraient même pas être nommées parmi nous, mais malheureusement ces choses sont nommées. Après être nommées, ces choses sont pratiquées. Haine, jalousie, envie. Eh bien aimé, la position de Joseph, particulièrement ses songes, ont suscité la jalousie de ses frères. Et l'amour aussi de son père, qui a été mal géré. Nous l'avions déjà prêché du jour de cette chair ici. Ne soyez pas surpris que vos privilèges fassent envie aux autres et vos plus proches, mes bien-aimés. Parce qu'on s'écrivait, ouais, moun ki pi pre ou la, c'est lui-même qui cap comprendre qui privilège ou abjoui. Mais ça nous pas comprendre avec les hommes, c'est que au lieu de mettre dans la même position avec vous pour le capable de jouir de privilèges là, l'a cherché à retirer ou non privilège là. Et c'est dangereux, mes bien-aimés. Les frères de Joseph avaient vu en lui un homme à s'en débarrasser. Alors, a priori, il n'était pas question de vendre le type, non, parce que il disparaît, il bien fait, il disparaît, il a gagné dans la cité, il n'y a pas de passe, ça n'a pas assez. Il y a eu 20 livres, il faut le disparaître. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas un secret, mais des fois, quand Dieu nous révèle des choses, c'est aussi à lui de nous dire qu'en parler. Oui, mes bien-aimés. Daniel 12, 4 me dit, « Toi, Daniel, tiens secret ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs le liront et la connaissance augmentera. » Dieu avait demandé à Daniel de conserver la vision. Cependant, dans Apocalypse 22, le verset 10, il dit, « Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » On dit, « Vous commandez Joseph parler. » Joseph met à faire le dehors, et puis, sortant des problèmes, frère Raïl, il voulait faire disparaître. Mais bien aimé, où on s'en a dit aujourd'hui, hein? Sous au monde, bon Dieu, qu'on dessine glorieuse pour lui, où est-ce que tu as qu'un béquet oubli? Où est-ce que tu as qu'un béquet vesli, mais bien aimé, pour faire route avec elle? Au lieu de raïl, au lieu où tu as voulu débarrasser ou de lui coller sous lui, mais bien aimé. Parce que il y a des choses qui sont transmissibles. Il y a des choses qui ne peuvent pas transmettre, mais il y a des choses qui l'aile dans ou des bons monde, beaucoup tôt, l'a senti quand même, et l'a vivre lui, et l'a profité de lui. La perception des frères de Joseph était un homme à abattre, à faire disparaître. Les Ismaélites, dans Genèse 37, toujours dans Genèse 37, le verset 28, je lis ceci concernant les Ismaélites. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ça y est, en occasion l'argent. En occasion l'argent. Appétit, bon Dieu. Oui. Mais bien aimé, c'est la raison pour laquelle nous vous avons dit d'entrée de jeu que la perception des autres peut vous porter à vous détourner de votre voie.
Mais quelle que soit la façon dont les autres vous traitent ou vous regardent, vous êtes l'élu de Dieu et votre destinée est garantie. Les Ismaélites ont vu une opportunité de commerce. Ils ont vu un bien meuble. Ils ont acheté Joseph. Vous savez, des fois, votre sphère d'activité peut primer sur votre humanité. Votre sphère d'activité peut primer sur votre humanité. Il y a des choses que vous savez pertinemment qui ne sont pas bonnes, mais dans votre travail, on pratique ceci, vous le faites quand même. Mais bien aimé, même tout à coup, on a acheté. Ou quand on voit combien de jeunes garçons paraissent en l'autre de jeunes garçons, ils semblent à l'autre, ou d'où ils ont vendu ça. Pourquoi on va poser une question? Non. Parce que Jean, passage là, dit nous, Joseph, t'es bel garçon, et pas même Jacob, non? Joseph, t'es bel garçon, il t'es haut. Vous comprenez? Les mounio sont marchandises, yo, ouais. Yo, pas, ouais, cette créature merveilleuse de Dieu. Yo, pas, ouais, non-humanité, l'autre, yo, vine camper pour yo, vendre, yo, connaissant en esclavage, yo, pral vendre, non? Mais, c'est marchand, yo, yen. Mais, bien aimé, dans votre sphère d'activité, où qu'on est, moun, chrétien passe le pagain d'eux. Mais quand tu as faux prix, les lap vendent, vous ne pouvez pas imaginer ça. Vous ne pouvez pas essayer l'âme d'abord le matin. Mais bien aimé, bon Dieu, gardez tout le bagage. Bon Dieu, gardez tout le bagage. Vous voulez nous couvrir, nous, ou prendre quand même. Mais bien aimé, vous connaissez la majeure partie kidnapping, c'est mon proche, c'est dans la famille, qui doit être la sortie pour profiter. Gagne les petites qui fait prendre pour prendre comme non mais papa gagne les petites qui fait prendre papa parce que papa laisse mais papa lassé. Mais bien aimé, notre état mental compte beaucoup dans ces choses. Mais bien aimé, l'important pour les Ismaélites était que pouvait-il rapporter parce que son business yo ouais, son business yo ouais yo même. Et on s'en remet. Versets 2 et 3 de Genèse 39, en ouest et nous calio. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ou qu'on soit besoin de comprendre, je dis, lorsqu'on est élu de Dieu, inquiète-toi beaucoup de toi. La prospérité l'accompagna. Ah. Dans Deutéronome, Dieu n'a pas ordonné à la bénédiction d'accompagner son peuple. Mais bien aimé, c'est pas même Joseph qui t'a couru, non? Ou t'a dit qu'il t'a couru pour aller mieux. Et mais c'est venu pour la joindre aller mieux. Parce que pas qu'un côté l'Éternel pas béni. Et là, le joindre aller mieux dans camp ennemi. On est qui vend comme esclave, c'est misère pour le passé. Bon, il vient dire dans le cas, il pas qu'il n'importe qui, mon nom. Chef des gardes du pharaon. Et pas un simple garde, non, chef des gardes du pharaon. C'est là Joseph pour l'établir, mes bien-aimés. Et ce que nous devons comprendre, c'est que si sa famille l'avait renié jusqu'à le vendre à vouloir sa mort, Potiphar, un étranger, a reconnu la main de Dieu sur Joseph. Potiphar a reconnu la main de Dieu sur Joseph. Et sa mère, un homme qui possédait des esclaves. Tout esclave, c'est esclave. Au contraire, Joseph connaît l'Iwol, qui travaille plus. Non? Et pas seulement ça. Non, c'est pas celle saleté qui a rapporté le théouin, non? Mais bien aimé, Dieu va vous mettre là où sa gloire va éclater dans votre vie. Maman, toujours dit, Dieu est un Dieu qui écrit droit sur des lignes courbes. Si je dis à ou pas comprendre cheminement ou à faire qu'on est objectif là, tout doit devant ou à priver quand même. Parce que notre Dieu, il écrit droit sur des lignes courbes. Vous ne comprenez pas vos périples aujourd'hui? Attendez-vous à atteindre votre destinée glorieuse parce que c'est le plan de Dieu. Et c'est ainsi que Potiphar, un étranger à la famille de Joseph, un homme du camp ennemi a vu en Joseph un homme béni et un homme digne de confiance. Pendant frère ouais bougeait-il, pendant Ismaélite ouais son l'argent dans mayo, Potiphar, chef des gardes de Pharaon, a vu en Joseph un homme béni et digne de confiance. Genèse 39 versets 4 à 6a. Je lis encore pour vous.
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit dans les champs. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Au moins, mes passages, ça, mes bien-aimés. Au lieu de vous rendre jaloux de quelqu'un, profitez de sa présence dans votre vie. Au lieu d'être jaloux de quelqu'un, profitez de sa présence dans notre vie. Ce n'est pas une invitation que nous faisons pour exploiter les autres, non, mes bien-aimés. Mais l'invitation est faite à vous pour partager les bénédictions de quelqu'un. Si son monde béni, si bon Dieu n'en cueille, la partager bénédiction avec, avec sa simple présence, mes bien-aimés. Bon, m'explique. Si ça pour que j'aime rivo ou pas qu'on a un monde, mais il y a un petit chita, bon, quand on a un petit long, il y a un bas autour, pas comprendre ça, m'a dit là, non? Ah! Ça pour que j'aime rivo l'autre petit monde, ou chita non groupe, et puis qu'on a un monde qui a un bas, il n'y a pas qu'on a un monde, mais il n'y a pas passé sous comme ça. Même les sont là, mais qui a un bas, oui. Gen de moun ka recevoir la main son seul moun ki li konnen nan groupe la oui mais le bay yon el pa ka mal élevé le bay tout reste là mais bien aimé mais sou pa kite moun rete bò kote sou pa profiter de bénédiction yo sou a fè. Ah. Et la prospérité entra dans la maison de Potiphar quand Joseph a été placé intendant de ses biens. Ek la son nèg béni li el macha bénédiction la belle. Et sous qu'on côté pour placer dans la vie ou à manger dans la bénédiction en tout. Mais frère Joseph, il n'a pas comprendre ça, non? Ismaël, il n'a pas tout prendre maintenant quand il y a, non? C'est étranger, sacré, le Potiphar, calme tes gens. Mais bien aimé, bon, je vais bagarre. Puis je suis choqué, non? Mais on connaît une grâce pour qu'on joigne son petit ou à maltraiter, bloqué ou? Joseph, t'es esclave. Potiphar, chef des gardes de Pharaon. Il n'a pas doué Joseph en qu'un bon traitement. L'idée qu'a ouais Joseph béni chaque bénédiction vient de Joseph lui prend le pouli. Non, mais il est bien comme grand de ce monde. Il traitait avec Joseph bien et il bénéficiait de lui tout, mes bien-aimés. Nous vous le répétons. Gon grâce pour qu'on joigne son pipiti ou à maltraiter, bloqué ou. Traiter pipiti à pi bien ou après l'Éternel répond en prière, pas gain rapport à ça du tout. Nous servons Dieu dans nos rapports avec les autres, mes bien-aimés. D'ailleurs, la Bible nous dit très clairement, quand on cajoue un bon Dieu pour faire rien pour lui, c'est chaque ton fond bagaille pour pipiti ou servir bon Dieu. Oui, nous adorons en esprit et en vérité. Oui, notre rapport avec Dieu, c'est un rapport spirituel. Nous avons rapport avec Dieu spirituellement. La terre ne nous intéresse pas. C'est vrai. Ah. Dans le résumé des commandements de Dieu que nous trouvons dans Exode, mes bien-aimés, 5 dans résumé commandement, ça aussi les rapports humains. Pourquoi? Parce que le servir Dieu, c'est vivre avec les autres. Joseph était esclave, Potiphar, chef de Pharaon. Il n'y a pas de douille et bon traitement. Mais c'est bon traitement qui va ouvrir van bénédiction dans le cas de Potiphar, mes bien-aimés. Je dis au compte sacré que il grâce. Mais grâce, ça n'a pas les matins, c'est pas en l'air, que il, ça a été en l'air. Passez-moi au prend pipitia. Passez-moi au prend pipitia pour cueillir grâce ça, mes bien-aimés. Et verset 6, vous connaissez, moi, j'en dis là. Verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Waouh, sans son confiance. Vous connaissez, mon mes bien-aimés. Gon niveau méfiance li gen la kali k'empêche moun vive avec nous pas dou pou pa méfiant nous parce que les hommes méchants mais gen des moun nou gen t'ap vive avec ou attristé que lui mes bien-aimés l'homme méfiel. Excusez-moi ou attristé que l'homme méfiel. Tout ça pa wè c'est moun nan monte dans l'esprit ou même qui sont d'abord l'oubli rentre avec ou qui de l'autre côté des pou pa wè baga l'homme pense à moun nan mes amis en faut nous mande bon Dieu pardon pou bagay ça yo. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Malgré il y avait l'interdiction sur sa femme, il quittait la velle quand même. Il quittait la velle quand même. Ah, nous va voir, non? Nous va voir, il quittait madame moi personne.
a de moins camper là. Côté, il là. Bien aimé, mais les abseri, bon Dieu, faut nous rentrer en profondeur. Et on s'amène, pendant Potiphar, chef Kaila, l'Iwen en Joseph, une source de bénédiction, et un homme digne de confiance, Madame Nangate Bayo. Genèse 39, 6b et 7. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Imaginez Joseph, l'estomac Joseph, comment ça me. Et puis, d'une manière générale, il y a des travaux où il fait des tosses nues. On prend les souhaits à couler sous. Pourquoi le non-gym? Ou à garder une série de nez cap fesses pour ou même ou senti ou pas rien. Et nègre là bien, bien cadré. Vous comprenez ça, m'dou? Les madame n'a campé dans le coin, l'a regardé Joseph, tête liberté. Tête liberté. Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi, ça ne va pas dire le faux. Il refusa. Non, beaucoup rentrer dans il refusa. Non, mais c'est pour nous, mes bien-aimés. Vous connaissez? Vous connaissez le monde qui boit auto? Tout bagage sérieux, vous parlez avec, vous comprenez son autre bagage, vous dites? Ça, pourquoi j'en prie, mes bien-aimés? Quel est le sujet sérieux, vous entamez au monde, vous prenez à gauche, net, vous prenez dans l'autre sens. Et mais c'est bagage sacré, madame. Un homme qui vient établir la caille ou qui a mené une bénédiction. Et grâce l'Éternel couvrit Kaila, tout ça qui manque dans Kaila vient fructifier. Et me protéger les nègres là? Non. Ça a fait garçon lui-même. Excusez m'expression. Et mais pour qui ça me dit ça? C'est parce que les gens comme ça, oui. Ou qu'on a des gens qui ont des difficultés, si vous prenez le welfare, mais c'est 5 gens qui ont pas calme pour tout. Parce que là, visite-toi comme mal interprété. Oui? Excusez-moi. Et pas pour rien. Là où Jésus a voué disciples, il n'y a pas de voué. Non, il y a 2 à 2. Parce que il y a des gens qui ont dit pile pour le voir, il y a des gens qui ont proposé. Mais bien aimé, là où est le principe, il faut nous apprendre à comprendre côté de sortir pour nous respecter. Oui? Jésus voue tout le monde 2 à 2. Où est une série de négociations pour le faire dans le cadre de travail, mais bien aimé. Même si vous n'avez pas dans le département, pas à la monde pour chuter à bord là. Moi même on connait qui secteur de travail déjà. Gande les bagaille moun pour sortir avec bagaille moun n'a gande combien caille combien machine déjà. N'a gande combien caille combien machine. Oh l'esprit bon Dieu non oui pour pas mettre en série de bagaille. Vous imaginez chef là t'a choisi une madame qui pas trop en forme. Potifa. Chef des gardes. En général, l'homme est en position élevée et choisit, ou choisit, trier, ou trier. Ben, ça, ça, c'est un petit peu de théologie spéculative, mais monsieur, madame Potiphar, t'es présentable. La Bible l'a précisé, Joseph était beau de taille, vous comprenez, et belle de figure, même Adam chef, là, mes amis, s'il a pris, vous comprenez. Mais, ça n'a pas fait Joseph courber, mes bien-aimés. Il y a une position trouvée aux tentations en pire. C'est pas n'importe moun la caille Potiphar, non? C'était la femme même du maître. Et s'il décide la. Eh bien, il y a deux bagailles. Nous vivons. Il est capable de difficile. Ou qu'on a des gens qui tuent moun kave ou après ou capable de jouer dans l'autre. Ah, je pas bon exemple sous chez même gain, oui. Potiphar en danger. Joseph en danger. Potiphar en danger, Joseph en danger. Alors, danger du point de vue humain, mais danger spirituel, vous madame Potiphar. Mais bien aimé, il y a deux mondes, quel que soit son gain sérieux ou à régler, important soit accordé aux valeurs, lui-même son l'autre bagaille, la regarder dans vous. Veillez. Veillez. Et Joseph, tu comprends ça. Et c'est ça que fait nous pour arriver là pour nous garder qui Jean-Joseph te concevoir tête lui-même. Nous allons voir rapidement le caractère de Joseph. Nous avons vu en Joseph un homme loyal, moral, spirituel, fidèle. Ah! Nous avons trouvé en Joseph un homme loyal, moral, spirituel et fidèle. Loyal, versets 8 et 9a. Il refusa et il dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis
et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Waouh. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Où est la loyauté, mes bien-aimés? Où compte s'allier? C'est la fidélité manifestée par la conduite aux engagements, au respect des règles de l'honneur et de la probité. C'est ça nous joignons dans Joseph. Lorsqu'on parole à un monde qui prend confiance, l'homme loyal ou pas tromper. Et pas passer laguer toute bagaille dans mon pour comprendre, c'est garer les garer. C'est passer le well loyal. Vive loyauté, mes bien-aimés. Nous avons trouvé en Joseph, à travers ce passage, un homme loyal. En second lieu, où est mon loyal? La tête n'est pas vivre facile. Et pas passer au bal clé machine là pour la déposer en bagaille pour Nazon pour le guet arriver le canal faire mon welte dans machine. Ça, c'est pas Joseph. Tête n'est pas vivre facile, mes bien-aimés. Vous l'avez tout bagaille dans le monde, il traite les gens pour le traiter. Nous avons vu en Joseph ce matin un homme moral. Un homme moral. Verset 9b. Moral qui concerne les règles de conduite pratiquées dans une société, en particulier au rapport au concept du bien et du mal. Joseph t'a distingué le bien, il t'a distingué le mal. Mais bien aimé, où est madame chef là? Joseph t'a plaidé si consente atteignante, il dit c'est madame non que t'es prêt, et moi je pas de vle, c'est tout bagaille. Mais elle dit non. Même si c'est madame chef, bon bagaille, on ne m'a pas tout. Joseph était moral. Vous savez pourquoi je vous dis ça, mes bien-aimés? 9b, il a dit, comment ferai-je un aussi grand mal? Il compte mal, il compte bien. Son est moral. Et Joseph était aussi spirituel. À côté de sa loyauté, de sa moralité, vous connaissez, tout bagaille qui dépassait tout ça, mes bien-aimés, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la spiritualité. Il dit, dans sa moralité, il a dit, comment ferai-je un si grand mal? Dans sa spiritualité, il a dit, et pécherai-je contre Dieu? Ou est-ce qu'il y a des bagailles pour tête pauvre? Ou ne doit pas qu'aimer, mais pour mon Dieu, obligé qu'aimer. Pour mon Dieu, obligé qu'aimer, mes bien-aimés. Et le plus, Joseph était un homme fidèle. Joseph était un homme fidèle. Et nous le voyons dans le verset 10. Quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle et d'être avec elle. Mais bien aimé, vous savez, la fidélité s'établit sur le temps. La fidélité ne se gère pas sur le moment. Dans le moment où capable sincère, c'est vrai ou refuser. Mais on sacrifie chaque jour à Gadame. Chaque jour la bonne parole. Chaque jour qu'on l'esprit dans le cap d'eau. Ça prend rien. Chaque jour, tentation à monter plus haut. C'est la sincérité qui nous donne de refuser une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Mais c'est la fidélité qui nous donne de toujours refuser. C'est la fidélité qui nous donne de toujours refuser. Et là, elle refuse la première fois, sincère, ou quoi dans son abdia. Mais là, elle a dépassé ou pas qu'elle est fidèle. Joseph était un homme sincère et Joseph était aussi un homme fidèle. En conclusion, nous vous disons, mes bien-aimés, les hommes vous regardent dans le temps, mais Dieu vous voit sur l'éternité. Et il a investi en vous pour que vous puissiez marcher dans son plan. Ne laissez pas la perception, le regard et le traitement des hommes vous dévier de votre destinée. Et nous vous le disons, c'est particulièrement dans l'adversité que Dieu façonne ses enfants. C'est dans l'adversité. Si tout va bien, personne ne sait si nous sommes patients, si nous avons la maîtrise, si nous sommes tempérants. C'est dans l'adversité que Dieu nous forme, mes bien-aimés. Et Dieu nous invite à persévérer dans l'adversité. Et l'adversité, c'est bien la capacité à traverser les épreuves et à vivre. Alors, nous parlons de persévérance, c'est la capacité de traverser les épreuves, à vivre dans l'adversité, tout en restant dans la ligne de ce que nous avons appris des Saintes Écritures en ce qui concerne notre vie pratique. Et nous vous le disons, mes bien-aimés, les hommes vous voient d'une manière aujourd'hui. Mais vous devez garder en tête, sans risque de vous tromper,
que ce que vous êtes aujourd'hui n'est rien comparé à ce que vous serez, parce que ce que vous serez n'a pas encore été manifesté. Tenez ferme, que Dieu vous bénisse.